Eskolegia bai zangaja aldre por un sistema plus justo, plus solidaire. Euskal Herriko zazpi provintzien potentziala, ekonomikoa eta kulturala, hemen bizi den jende ororentzat, Euskaldun senditu ala ez, egiazko aukera bat da. Gure herrien garatzeko egiazko aukera bat. Eskualegia bai, vous portez les revendications du Pays Basque à Paris. Nous voulons être les porte-voix des revendications locales, que ce soit pour l'institution, avec une collectivité territoriale spécifique, pour notre langue qui nous est chère, mais aussi pour une société plus juste, avec un vrai partage des richesses. Zer eskaz da, hemen, iparaldean. Eskaz da, eskararen dako, ezagupen juridiko bat. Cela passe notamment par différentes propositions. La première, c'est celle de partager le travail entre tous et pour garantir que tout le monde ait un travail, et notamment via la semaine à 32 heures. Jende batzuek, sos aski dutela, justuki bakarrik bi hilabetez urtean, batzutan hilabete bakar batez urtean, udan zehar, beren bigarren egoitza baliatzeko, beste hainbeste jendek ezin dutelarik urterako apartamendu bat atxeman, familia baten sortzeko, enplegu baten lortzeko, herria biziarazteko. Orduan guk erraiten dugu hori ez dela normala. Le Pays Basque, c'est nous. Que nous soyons nés ici ou que nous soyons nés ailleurs. Ce qui nous unit, c'est la volonté de vivre ensemble, de construire une société plus juste, plus égalitaire, écologique, à taille humaine. Eatxe baien, proposatzen du, eta helburu bezala, badu, eskara, bere eskauratzea, eta zabaltzea, leku guzietan. Madame Alioumari, lorsqu'elle était au gouvernement, n'a rien fait pour s'opposer fermement à ce projet. Euskaldunak bagira, baina Frantziak ez gaitu politikoki ezagutzen. Orduan eztabaida instituzionala pilpilean dagoen honetan, goraki diogu aldaketa behar dugula orain. La seconde proposition, c'est celle d'assurer un revenu minimal pour tous, et notamment pour les jeunes. Ipar Euskal Herriko biztanleak gai honen inguruan kontsultatua eta entzuna izan behar du. Nous donner votre voix, c'est avoir la conviction que vous serez entendu. Nous donner votre voix, c'est avoir la conviction que vous serez défendu. Ipar Euskal Herriarentzat, instituzio berezi bat, lurralde elkargo autonomo bat eskatzen dugu. Et enfin, la dernière proposition, c'est celle de réorienter une politique fiscale en faveur des PME, des PMI, des artisans, des commerçants, et non pas en faveur de ces grandes multinationales et de son actionnaire. Eta horren aintzinean lege proposamen batzu bat ditugu, eta lehena izanen da deputatu bat lortuz geroz, justuki bigarren egoitza horiek paga dezaten zerga biziki gogorra, justuki be salduak izan daitezen, edo ez bat dira salduak bederen sos hori bildu ahal izaiteko, laguntzeko etxe sozialen programa berriak eta auzo sozial berri batzu. Aujourd'hui, je fais un appel pour que le 10 juin, vous votiez pour Peio Etxeberrien Txart, qui est le seul vrai candidat qui s'oppose à la LGV, à Hachetelikez. Voter EH Bai en juin, c'est voter utile. Voter EH Bai en juin, c'est voter à gauche. Voter EH Bai en juin, c'est voter à Bertzale. Alors le 10 juin, pour que le monde politique prenne la main sur le monde économique, votez Eskolegia Bai. Kulturen eta hizkuntzen alde balin bazira, artistikoki edo pragmatikoki, bozkazazu EH Bai. Orain delako momentua, Pariseri instituzio bereziaren eskatzeko bozka EH Bai.